Et si c'était ça le placard? Oh putain. Light switch can be turned on and off. Donc ok, donc les interrupteurs peuvent être turn on off. Use the darkness to evade any treats. Donc il faut utiliser l'obscurité pour faire en sorte que les treats se barrent, non? C'est ça? Oh, where too many light switch on one time may trigger a power cut. Attends, je comprends pas. Je comprends pas tout là. C'est quoi ce bordel? Me dis pas que j'ai acheté un jeu où il va y avoir des araignées, des conneries comme ça, parce que là je vais faire un malaise moi. Je le sens pas. Autant vous le dire, je ne le sens pas du tout. New Pepper. Le 31 octobre pour Halloween. An unnamed child found his father hanging in the family home after a supposed divorce between the parents. Alors attendez, je vais vous Google lancer ça parce que comme ça je veux être sûr que vous ayez une bonne traduction et pas une bêtise. Donc c'est parti pour la traduction, on donne tout. C'est parti. Un homme retrouvé mort par un garçon de 13 ans. Le 31 octobre, un enfant anonyme a retrouvé son père pendu dans leur maison familiale après un supposé divorce entre les parents. Il s'agit du 12e suicide cette année. Il y a des problèmes liés au conjoint. La police ne soupçonne pas d'actes criminels. Bah, par contre, 12e suicide, faut peut-être se poser des questions en une année. Ah merde! Attendez, il y a un autre truc là aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. On va Google lancer ça, hein, comme on dit dans le jargon. Hein. Tac, c'est parti. Un homme trouvé mort par un garçon de 13 ans dans la ville voisine de Masten. Trois adolescents et un policier ont été retrouvés brutalement assassinés dans l'abattoir Miller Hanson. Mais attendez, Miller Hanson? Mais on l'a fait ce jeu? L'abattoir de Miller Hanson, vous vous en souvenez ou pas? On était un flic? Mais on était justement ce fameux flic! Monsieur Andrew qui avait été retrouvé brutalement assassiné. On l'avait fait ce jeu les gars. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé dans cet abattoir abandonné, mais les responsables disent que cela a poussé tous les officiers et les ambulanciers qui sont arrivés sur le lieu à démissionner. Ce qui est trop horrible pour être décrit. Ces fonctionnaires recherchent maintenant une thérapie psychiatrique. Attends, ça va, je me souviens. Et là, il y avait quoi? Un homme retrouvé mort par un garçon de 13 ans. Ont marqué 24 points hier soir contre les bandits nanas. Ils aident à essayer au sommet. La petite ligue aura été annulée pour ce soir en raison d'avertissements de temps violent émis par les analystes météorologues. De graves inondations et orages sont apparents et pourraient provoquer des pannes de courant majeures. On l'avait fait ce jeu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une note de maman. Ok, donc en gros, si on a le moindre problème, give Nana a call. Please don't forget your pills. Ah, n'oublie pas tes pilules. Oh non, et si tu vois quoi que ce soit à la porte ou à la fenêtre ce soir, s'il te plaît, tu laisses ça fermer et tu fermes la porte à clé. Oh non. Si le courant se coupe, les fusibles sont dans le basement. Oh non, 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 je t'aime. T'aimes, non, Christopher? Ah, son père, il est mort. Clean up dirt on... Ah, ça, c'est tout ce que j'ai à faire. Je dois clean le sol.
the dish, do the laundry, food into dog bowl, take your pills. Non mais attends, c'est quoi toutes ces merdes que je dois faire? Alors là, t'inquiète pas que le light switch, il marche pas. C'est en train de m'inquiéter là. Oh putain, le basement. Non mais qui a un basement comme ça? C'est pas un basement ça. Ça s'appelle un labyrinthe chez moi, mais bon. Hein. The power is turned off by storm and other force sur sanity will drain rapidity and the power on a man. Bien. Quoi? Non. Mais non. Attends. Ah non, c'est juste le truc à laver. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était rentré. J'ai paniqué parce que j'ai cru que quelqu'un était rentré. Oh, le jeu, il me met pas bien. Moi, ces jeux-là, je vous ai dit, c'est pas les plus beaux. C'est pas des jeux avec des graphismes à la Visage. Mais je trouve que c'est des jeux très... très flippants. Hello Wally, comment tu vas? Merci beaucoup. C'est gentil. Pick up Christopher from Doctor. Pick up Christopher, Harry, Marazol, Pills, Mother and Anana. Willis, talking about funeral arrangement. Ok. Ah putain, je suis pas bien. Oh, je suis pas bien. Excusez-moi pour ces gros mots d'avance, hein, mais... Ça a repété, hein. Au cas où, si vous aviez pas fait gaffe. Je me sens pas bien, les gars. Le courant relâché.
à quelqu'un, c'est pas drôle. Il va y avoir quelqu'un, je suis sûre. Ah, je suis pas bien. Putain, il me reste quoi là? Je comprends pas. Encore tout ça, nettoyer le sol. C'est quoi 12 dish? 12 laundry, take your pills, ok, mais. La vaisselle? Mais elle me prend pour la boniche ou quoi, la daronne, là? C'est quoi ces conneries? Moi, je veux bien aider, mais là... Ça fout de ma gueule, je pense, hein. Ok. Prendre encore le sol à nettoyer. Si vous voyez des traces de caca sur le sol, dites-le moi. Comme ça, je m'en occupe. Oh non, putain. J'en peux plus, moi. Je vais regarder mes pieds. Oh les gars, hey. Je suis tellement stressée sur ce type de jeu, c'est abusé. Je regarde constamment mes yep. Oh putain. Non mais là... Je sais plus où aller, moi. Je suis trop stressée, là. C'est quoi, cette merde? Attends. Quoi? Mais c'est quoi? Attends, c'est qui ce grand monsieur? Oh non, non. C'est son journal intime. Oh là là. Comment ça, vous avez entendu une porte s'ouvrir? Attends. Comment ça, la porte d'entrée, elle s'est ouverte? J'ai pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir, moi. Comment ça, la porte d'entrée s'est ouverte? Oh non, mais allez vous faire foutre, moi, au bout d'un moment. C'est bon. Je vais rester là-dedans. Et ce serait très bien. Non, Google Lens. Allez, hop. Oh non, non. Non, non, moi Google Lens. Allez, hop. On lit. Non, il n'y a pas de... Non, non. Voilà, Google Lens. On va juste lire le journal, ça sera très bien. 1980. J'ai trouvé un trou dans mon placard aujourd'hui. Ça sent mauvais et c'est vieux. Mais je me sens en sécurité ici. Comme si rien de mal ne pouvait m'arriver. C'est mon propre secret. Si je le disais à papa, il le cacherait et dirait que c'est dangereux ou quelque chose comme ça. Eric était devant ma fenêtre hier soir et demandait à entrer et à jouer. Mais quand j'ai demandé à maman, elle avait l'air si effrayée et a appelé papa. Quand j'ai dit à Eric qu'il ne pouvait pas rentrer, il s'est mis en colère et il est parti. Okay. Et ben voilà. Et ben on a la réponse. C'est qui a ouvert la porte? Oh putain, c'est le bonhomme qui est en photo. Oh là là, c'est... Oh, je vais faire un malaise quand je vais le voir, c'est sûr. Journal qui date du 29 novembre 1980. Je suis allée à l'hôpital aujourd'hui. Les médecins ont dit que je devrais essayer d'écrire dans ce journal pour les aider à me comprendre. Je veux pas, mais ma mère me force. Cela semble stupide et tellement inutile. Ils parlaient beaucoup, mais j'écoutais jusqu'à ce que ma mère se mette à pleurer. Je suis tellement habituée à ce qu'elle pleure maintenant, et Eric dit qu'elle me déteste. Il a probablement raison. Tout le monde le fait. Et Eric, non mais moi je vais être dans le déni total effectivement et on va finir la soirée comme ça. 1er novembre 80. Le docteur m'a donné des pilules à prendre. Il me fatigue tellement que je dors tout le temps. Je me suis endormie en classe et tout le monde s'est moqué de moi. Quelque chose en moi veut arrêter de prendre ces pilules mais le docteur on dit que ça me ferait du bien.
J'en ai pris un peu plus ce soir et j'ai attendu Eric devant ma fenêtre, comme tous les soirs. Mais il est jamais venu. J'étais si triste et j'ai l'impression que tout le monde que je connais me déteste. Oh, oh putain, non mais Eric... Eric le bougre, hein. Mais non, mais... Je suis en train de lire, il peut rien m'arriver pendant que je lis, les gars. Je suis en train de lire, il peut rien m'arriver. Les gars, je suis en lecture, il ne peut rien arriver quand on lit. Le 11 février 80, je me suis réveillée ce matin et j'ai revu Eric dehors. J'étais si heureux, je lui ai parlé pendant un moment, il a demandé à entrer. Mais alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée, ma mère m'a crié dessus. J'ai expliqué... ma mère m'a crié dessus. J'ai expliqué, mais elle était tellement en colère, elle n'arrêtait pas de dire qu'Eric ne pourrait plus jamais revenir. Écoutez, laissez-moi dans mon déni. Je lis. Je suis en train de lire. Laissez-moi lire. Eric ne peut pas me toucher. Je suis en train de lire. Je pense qu'Eric nous a entendu parler parce que je l'ai entendu crier dehors. Il semble vraiment fou. J'espère qu'il m'aime toujours. J'ai dessiné d'autres photos de moi et Eric. Peut-être que je lui donnerai demain. Oh, c'est la dernière lettre. C'est la dernière lettre, c'est la dernière lettre, c'est la dernière lettre. Eric ne peut pas nous toucher. Eric ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas nous toucher, les gars. Il peut pas. On est en train de lire. Le 11-03. J'ai fait du coloriage aujourd'hui pour maman. Elle les a mis sur le frigo. Elle était si heureuse jusqu'à ce que je demande si Eric pouvait venir dîner car il était dehors. Les gars, je suis pas bien parce que je suis dans le déni total. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire le texte. Alors qu'il y a Eric qui va potentiellement me goumer parce qu'il est en train d'ouvrir toutes les portes de la baraque et il est en train de taper partout. Et le mec est potentiellement genre juste derrière moi là. En train de me susurrer des mots doux. Et moi je suis grave dans le déni en train d'essayer de lire en me disant il va partir si je lis, il va partir. Donc j'ai fait du coloriage aujourd'hui. Pour maman, elle les a mis sur le frigo. Elle était si heureuse jusqu'à ce que je demande si Eric pouvait venir dîner car il était dehors. Elle avait l'air si effrayée, m'a donné mes pilules. Je me sentais tellement malade et j'ai vomi plus tard. Eric a dû repartir parce que je ne l'ai pas revu de la nuit après ça. Ok, alors là, je viens officiellement de finir de lire, et là par contre, je suis pas bien. Là, je viens de finir de lire, et là par contre, je suis pas bien, parce que là, je vais devoir sortir de la TH. Et là, je sens pas bien. Il y a Eric. Eric est là. Eric, il est dans le même trou que moi à l'heure actuelle. Vous êtes prêts ? Oh, sa mère! Oh, je suis pas bien. Ouf! Oh, je suis pas bien. Oh, putain. Oh les gars, je vais faire un malaise. Mais t'es mal à taille du rat que je suis, hein. T'es mal à taille du rat. Je suis en train de longer le sol comme un gros rat. Oh putain, non mais là je suis pas bien. Préparez-vous. Préparez-vous. Ça va péter. Oh là là, il y est, hein. Il est là, il est là.
Je savais pas s'il y avait une porte, ouais. Cette porte-là, j'avoue qu'elle était ouverte à la base. Oh putain. Oh là là. Les gars, je peux enlever le casque, la tête de Wham. Je peux enlever le casque ou pas? Vous allez me faire canner. Eric le gros con. Il est là, il est là, il est là. Ah, j'en ai rien à foutre. Oh putain, je suis pas bien. Oh non, mais il y a encore... Il y a encore nettoyer le sol et prends tes pilules. Elles sont mes pilules et il est où le sol? Enfin, il est où le sol? Sous mes pieds, mais... Ah, je vais me faire goumer. Enlève-le, mais je peux pas enlever. Non, mais je vais pas l'enlever, je vais pas l'enlever, je vais pas l'enlever. Ah, les clean! Oh putain. Oh mais le bruit il est Par contre là je sais pas quoi faire, t'es qui? Oh là là. Je fais quoi? Je suis pas bien. Les gars, mon cœur il bat tellement vite. Elles sont où les pilules, vous savez ou pas? J'ai envie de crever. Tant pis, hein. Je vais face to face, hein. Tant pis, hein. Je vais faire un malaise. Oh mais... Ah, je suis pas bien. Le même papier, ça, on est d'accord. Hein. La boîte orange sur les lavabos, je l'ai vue. Merde, elles étaient où? Oh, je les avais pas vues. Hey, je plisse tellement les yeux, les gars, que je vois plus rien. Pas bien. Putain, je suis en train de faire... Ah non, je vais pas tenir, je vais pas tenir, je vais pas tenir.
Non, je suis pas bien. Je vais crever là. Je vais crever vite! Ah putain, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Oh les gars, le jeu. Le jeu, il me met dans tous mes états. Non mais il va me rendre dessus. Hein. Je fais quoi? J'attends là? Non, non, mais... J'ai envie d'attendre là. Vas-y, rende-moi dessus, mon gars, rende-moi dessus. Oh, putain! Comment ça, maintenant, on va dormir? Putain. Oh, je suis... Je sais pas où est mon dodo. Il y avait quelqu'un à la fenêtre. Non mais c'est bon, j'ai envie. Non mais que tout le monde allait se faire foutre au bout d'un moment. Ah putain. Oh non. On va lire du coup ce qui est écrit. Allez, on va utiliser Google Lens, on va faire une petite lecture. Salut Christophe, c'est Eric. Je vois que personne n'est à la maison ce soir. Pouvez-vous me laisser entrer? Ta mère ne saura pas que je suis entrée. Nous pouvons jouer à des jeux comme cache-cache. Je sais combien t'aimes te cacher dans le placard de ta chambre la nuit. Peut-être pourrions-nous commencer par là. Quand les lumières s'éteignent, t'as 30 secondes et j'entre. Sois prêt. Ne me laisse pas t'attraper. Allez, j'ai envie de crever. Ça y est. Je vais là. Non, c'est bon, je vais là. Je vais là, c'est très bien. Il me trouvera pas, ce connard. C'est quoi le placard de ma chambre? Je sais pas si je peux fermer le mur ou pas. J'ai envie d'Alt F4, c'est horrible. Oh, j'ai envie d'Alt F4. Je vous mets comme ça. Adieu. On est 811 spectateurs, on va tous scanner ensemble. Oh là là. Non mais c'est sûr, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Oh putain.
Je vous l'ai dit, les gars. Je vous l'ai dit. C'était sûr qu'il était là. T'as plus de bruit et tout, et d'un seul coup, t'as le... Oh là là, je suis pas bien. J'ai pas envie de... Genre, je fais la technique de Schlag, où tu vois, j'ai juste un petit côté de mon œil qui ressort. Genre pour entreapercevoir ce qui est en train de se passer. Mais le son me dit tout, là. Oh, putain. Non, mais je peux pas, hein. Je peux pas, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Faut avancer, je pense pas, hein. Eric, est-ce que c'est un monstre ou un psychopathe? Bah, je sais pas. Non, mais moi, j'ai pas envie de bouger, les gars. J'en ai rien à foutre de crever de faim ici. Hein. Tant pis, hein. Si c'est la vie qu'il a décidé de choisir, tant pis. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'avoue que si je quitte le jeu avant qu'il arrive, c'est moi qui ai gagné le cache-cache. Hein. Non, je crois pas qu'il soit parti. Oh, je crois clairement pas qu'il soit parti. Oh putain. J'avoue que si je canne, je sais à quoi m'attendre. Ah, oh, j'ai envie de crever. Je fais quoi, un sprint? Oh là là, non mais... Non mais le jeu il me stresse de ouf, hein. Allez, tant pis. Et si c'était ça le placard? Oh putain. Ah mais c'est un psychopathe, c'est pas du tout un monstre. Ah c'est un psychopathe, c'est pas du tout un monstre imaginaire. C'était un vrai gars. Donc depuis le début, le gamin il parle à un vrai mec. Oh putain. Attendez, on va remettre un coup de lens parce qu'on a deux textes. Ok. Comment ose-t-elle prendre mon seul putain d'enfant? Je suis vraiment désolée, Christopher. Je ferai tout pour te ramener à ton père. Pendant que je suis coincée ici à poids dans ce petit appartement. Oh là, elle utilise ma pension alimentaire et ma maison pour... Oh, oh là, en gros, le père était très énervé. Genre vraiment, il a utilisé des mots très très durs envers son ex-femme. Sachez-le. J'ai juste le plan pour vraiment l'atteindre. Pour la vie, cela implique une chaîne et son garage. Je sais qu'elle est sortie toute la nuit, donc je vais me faufiler et lui donner la plus grande surprise de toutes. Mon putain de corps mort suspendu. Rendez-vous en enfer. Mais en fait, c'est mon père qui est mort. Il y a mon père qui vient de se suicider, là. Mais au MG?
Waouh. Oh non. Journal 2. Oh là là, mais non, mais c'est horrible en fait ce qui est en train de se passer. Attends, vas-y, c'est parti, on lit la suite du truc parce que c'est vraiment affreux ce qui est en train de se passer. Ah, journal de maman. Oh merde, attendez, j'ai pas fait la traduction. Journal de maman. Je n'en peux plus, j'ai l'impression que toute cette maison est maudite, comme si elle me rongeait lentement. J'ai l'impression de mourir à l'intérieur. Plus rien ne va bien. Les pleurs et les gémissements constants de Christopher à propos d'Eric, l'attitude de mon mari et ses disputes inutiles. Pas plus tard qu'hier, il a sorti un couteau sur moi, avec ce regard fou, criant « Enfin, tout finir !» J'ai juste pris Christopher et j'ai couru chez maman. Dieu, pourquoi je me suis mariée avec lui. Super. J'ai décidé qu'un divorce est la seule chose qui nous reste. Cette relation a duré trop longtemps. James, cela doit se terminer maintenant. Sinon, je ne pense pas que je survivrai plus longtemps. Je pleure tous les soirs maintenant. Seul le vin calme mes nerfs. Je peux me sentir les autres mamans de Christopher me regarder tous les jours. Cette maison est maudite. Non, mais attends. Putain! Oh non, mais là, ça va pas. Ça va pas du tout. Oh non. Oh là là. Oh là là. Ah, puis il me suit du regard, hein. C'est la daronne, hein. Mais attends, le père, c'est qui? Mais je pense que je suis morte, c'est pas possible. C'est qui m'a enlevée, là? Je me suis fait kidnapper, ou... Attends, là, il y a eu un bail, on est d'accord. Je pense que je me suis fait kidnapper, non? Qui suis-je, concrètement, là? J'ai été tuée? J'ai été pendue? Mais non, c'est mon père qui s'est pendu! Le père t'a tué, puis il s'est tué dans la cave! Oh putain! Ah d'accord! Ah donc c'est bien le... Ah mais... Oh! Oh! Stranger Things! Alors, journal de Christopher. Bon, on va savoir la suite, hein, mais là... Attendez. Oh, c'est... Mais le jeu est incroyable. Il m'a coûté seulement 1 euro. Il est incroyable. C'est parti. Journal de Christopher. Eric a commencé à agir vraiment bizarrement. Il m'a dit de faire des choses que je veux pas faire. Il a dit que je devais tuer un chat, sinon maman serait blessée. Je l'ai pas fait, mais maman semble bouleversée maintenant. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Eric avait peut-être raison. Mais Eric, c'est qui? C'est le daron? Oh, je commence à... Ouais, Christopher, c'est moi. Et Eric, je crois que c'est le daron. Hier soir, nous avons eu une soirée pizza avec papa et maman. C'était tellement amusant de danser et de manger de la pizza toute la nuit. J'en ai eu marre et j'ai commencé à dessiner Eric. Il nous regardait jouer et danser toute la nuit. Maman m'a vu dessiner et avait l'air effrayée. J'ai dit qu'il était dehors, mais elle ne m'a pas cru. Papa s'est mis en colère, alors j'ai couru me cacher dans ma chambre secrète. Et il m'a pas retrouvé. Je crois qu'Eric, c'est ton père. Bah, je me demande, hein. Le père s'est pendu. La mère a pris le petit pour elle, pour aller chez sa mère. Elle est donc pas morte, je pense. Ou alors, c'est Eric qui t'a enlevé. Mais en fait, Eric, genre, quand il dit papa, gentil. Eric égale méchant papa. C'est vrai que t'as peut-être raison. Peut-être qu'il appelle Eric le méchant papa. En fait, c'est la même personne, tu vois. Mais maman a dit que je devais aller faire un check-up aujourd'hui. Je me sens pas malade. Eric a dit que c'était un truc, mais je le crois pas. Je commence à le voir beaucoup plus maintenant. Ce qui ne me dérange pas. Il est toujours si drôle et gentil avec moi. Pas avec ma mère ou mon père, cependant. Mais what? Eric est imaginaire. Mais qui m'a kidnappé alors?
Qui m'a kidnappé? Oh putain. Comment je suis pas bien? Ouais, le père qui s'est pendu, là, c'est... Il manque quoi pour vous, là, en endroit? Cachette. C'est vrai que la cachette, on l'a pas retrouvée depuis. Ah si, j'avais bien le truc traduire, c'est bon. Rapport du docteur. La mère de Christopher a emmené Christopher aujourd'hui pour un bilan de santé. À première vue, il semblait normal, mais avec un grand regard fixe et vitreux à l'extérieur de la fenêtre. Cela semblait normal au début, bien que lorsqu'il a mentionné qu'il pouvait voir quelqu'un sourire à l'extérieur de la fenêtre, je suis devenu méfiant. Car nous étions au 6e étage après tout. Après avoir analysé Christopher pour la plupart des maux de son âge, je pense que le SSPT, je sais pas ce que c'est, ou trouble dissociatif psychoactif correspond le mieux. Cependant, c'est rare chez quelqu'un de son âge. Il n'a pas de véritable traitement à part une dose constante de sédation. J'ai besoin de me plonger plus profondément dans ce jeune garçon. Il semble qu'il ait un point de rupture. C'est très bizarre la traduction, elle fait très, très angoissante. Remarque, Christopher a une personnalité alternative possible, appelée Eric. Ah! Une extrême prudence doit être prise lors de l'évaluation de Christopher. En raison de la nature sensible de cette condition, pas de rechute pour le moment. Ah mais attends, stress post-traumatique. Ok. Bah attends, le gamin là... Est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux aller? Je vais descendre. Hein. Oui, parce que de toute façon, il n'y a que là ou là. Bah, en fait, le corps conduit, il tourne, non? Ouais, mais comme tout à l'heure, hein, il tournait déjà, je crois. Je sais plus où aller. Si vous avez une idée. Ouais, c'est juste qu'il se balance, quoi. La cave, ok. Bien, ouais. Par contre, j'espère que ça va être la fin, là, parce que... Eric, les aventures d'Eric et Martin, c'est quelque chose. Hein. Merci Christophe, vraiment, vous m'avez permis de devenir libre. Tu es exactement là où j'étais ces dernières années. Attendant et attendant et attendant que tu me laisses libre maintenant. Il est temps pour Eric de prendre le contrôle pendant un moment. Ah, donc vraiment, ok, donc il a vraiment deux personnalités. Ah, donc il a vraiment deux personnalités. Parce que là, c'est le journal d'Eric. Tous ces docteurs se tromperaient, Christopher. Ils voulaient juste faire du mal et t'éloigner de moi. Mais t'as écouté mes ordres. Ces pilules m'ont blessé et m'ont aidé à prendre le contrôle beaucoup plus tôt. J'ai hâte que vous voyez ce que nous sommes devenus ensemble. Ah donc voilà. Oh putain. Comment il va ? Je sais que c'est déroutant, Christopher. J'aimerais pouvoir mieux expliquer. Alors laisse-moi plutôt prendre le contrôle. Permettez-moi de commettre mon dernier acte. Christophe, laisse-moi entrer en toi. Et donc là, j'ai goûté... Mais attends, j'ai fini dans une... dans un... J'ai fini dans un asile psychiatrique. Attends, on va lire le truc, mais qu'est-ce qui s'est passé? 10e anniversaire du meurtrier.
Ce jour même marque le 10e anniversaire de l'horrible meurtrier de Moore Residence. La scène de crime sanglante a été jouée par Christopher Moore, alors âgé de 13 ans, qui aurait été dans un épisode psychotique. Il passe maintenant sa vie dans l'établissement local d'État de Greenfield pour les fous, autrement appelé les habitants sous le nom de Bug House of Greenfield, en raison de sa détention des plus criminels et des plus fous. Donc c'est moi qui ai pété un câble et qui ai buté le... Attends. Vive Google Lens. Les voisins ont appelé la police lorsque des cris sont venus de la résidence qui s'est avérée être Christopher poignardant sa propre mère plus de 73 fois. Elle a été déclarée morte sur les lieux. La défense de Christopher était qu'il souffrait de troubles de la personnalité multiples, un nouveau trouble découvert par le docteur Schultz Edwards en 1983. Le jury a plaidé la folie et il a été épargné de la peine de mort. Oh, donc j'ai planté ma mère 73 fois. Un gamin de 13 ans. Christopher, qui a maintenant 23 ans, est toujours détenu dans le Bug House of Greenfield. Christopher affirme toujours à ce jour que Eric a tué sa mère. Mais pas lui. Oh ! Mais putain, mais c'est horrible ! Oh le banger ! Oh le banger ! Oh, c'est un très bon jeu ! Très très bon jeu pour un jeu à 1€. Très bon jeu.